Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 6 de Jackie Chan Adventure. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons en résumé d'effectuer l'épisode 4, partie 2, 2004, Jackie dans l'espace. Et que nous avons effectué avec succès de battre le démon de la lune, Solan. Et que nous allons continuer notre partie suivante pour retrouver le Capitaine Black dans la section 13. C'est parti. Mais avant, je vais passer au dojo parce que dans l'épisode précédent, je n'ai pas su le faire. Attends. Jackie, tu veux t'exercer au... Cette fois, l'épreuve est plus dure. Attends. Je prends un sabre. C'est bon. Pas mal du tout. J'imagine que tu... Il va de santé maximum. Je vais demander s'il y a... une autre nouveauté. Jackie, tu veux t'ex... Bien, j'ai une nouvelle épreuve pour... C'est reparti. Allez, vite. Impressionnant. Tu mérites une règle. Niveau de magie augmenté. Y a plus rien. Jackie, tu veux t'entraîner avec le... Non, merci. Maintenant que c'est bon, on va passer à la suivante. On va passer à From's Beach. Ah non, c'est North Beach. Qu'est-ce que je suis bête. Excusez-moi pour la prononciation. Ouais, oui, c'est le logo de sauvegarde. Je vais ici, avant de continuer, je vais tenter ma chance pour avoir autre chose. Attends, voilà. La vente va bientôt pouvoir... Vous voulez connaître le règlement des... Non. L'objet du jour est une rose de jade d'une grande rareté. Les enchères sont désormais ouvertes pour cet article exceptionnel. Je mets le tout parce que si je veux obtenir une chance, c'est bon. Bah voilà, 400, tout pour la fleur de jade. La fleur de... en jade, pardon. Si vous voulez avancer un peu plus vite, c'est maintenant. De toute façon, je peux vous dire que... je ne fais que je mise le tout, voilà. C'est bon. Vendu à... Rose en jade, c'est fait.
Maintenant, on peut avancer. Allons à la section 13. Et de nouveau, on est parti. QG de la section 13. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? À vrai dire, oui. Certaines rumeurs non confirmées circulent. Un autre talisman aurait été localisé dans un petit village côtier en Espagne. La main noire n'a pas été signalée dans cette région, donc toi et Jade devriez pouvoir aller vérifier sur place sans courir aucun risque. Oh, dis oui, Jackie, s'il te plaît. Tu te souviens que je t'ai aidé au Mexique? La main noire n'est peut-être pas là-bas pour l'instant, mais ça pourrait changer. Prête à prendre le risque. Ok, Jade. Si tu promets de rester à mes côtés à tout moment. Alors, allez à la gare tous les deux. Je vais tout organiser et un train vous attendra pour vous emmener au hangar. De là, un avion décollera pour l'Espagne. Hyper top cool, Capitaine Black. Adios! Cette mission devrait être simple, Jackie. Tu n'as qu'à te dire que ce sont des vacances pour te récompenser. L'avion est prêt. Il vous attend. Prends le train quand tu es prêt. N'oublie pas de m'envoyer une carte postale. Ok, en route pour l'Espagne. Directement au train. Et c'est parti! Voilà. Village en Espagne. Et j'avais oublié de mentionner que c'est l'épisode 5, la marque du dragon. Ça a l'air super par ici. Parfait pour l'exploration. N'oublie pas la raison de notre présence, Jade, pour trouver le talisman. Je sais bien, mais c'est pas un problème si on visite le marché tant qu'on est là. Le capitaine Black voudrait sûrement qu'on cherche partout. Autant en profiter. Voyons cette fontaine que le capitaine Black avait mentionnée. Vous êtes perdu. Vous voulez savoir un secret? D'abord, vous devez jouer à un jeu. Oui, si vous nous retrouvez tous les cinq. On vous dira ce qu'on sait. J'ai trouvé. Bravo. Et de deux. Pas possible. Comment vous m'avez trouvé? Vous aurez pas les autres. Je pensais pas que vous me trouveriez ici. Vous aurez pas les autres. Ici. Oh, vous m'avez trouvé. De 5. Félicitations, vous nous avez tous trouvés. Retrouvez-nous sur la place du village.
Il y a un paroi rocheux qui est fragile. Je vais voir sur place. Boum! Qu'est-ce qui contient à l'intérieur? Un coffre, évidemment. Ouch! Carte. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais regarder ici. Attends. Castagnette. Ah, c'est Castagnette, évidemment. Secret. Il y a un tunnel caché sous cette fontaine. Avant, c'était notre quartier général. Mais depuis peu, on a peur d'y aller. Si vous décidez de faire un autre jeu avec nous, on vous dira pourquoi. Super! On peut, Jackie? Désolé, on n'a plus le temps de jouer. Je crois que je vais devoir trouver tout seul. Merci. Ok, on descend. Attends, je vais voir ce qui est ici. Un coffre, évidemment, ainsi que des ennemis. Qu'est-ce qu'on tient? Une autre carte. La fleur. C'est le talisman du chien. Excellent. Talisman du chien. Invincibilité. Le talisman du chien crée un bouclier ou un bouclier magique autour du joueur. Les coups qu'il reçoit vont diminuer l'énergie du chi plutôt que la santé. Il est ici. Une autre carte. Carte du ninja noir avec l'épée cette fois-ci. Je me demande si... Attends. Ce n'est que le premier. Bon, on remonte. Hola, señorita. Tu veux essayer de danser avec nous? C'est un jeu. Señorita? Oui, bien sûr. Connaître les règles? Non. Oups.
faut que je connecte les touches. Aïe. Ah, pas de chance. Excusez-moi, j'étais distrait, mais bon. On reprend. Hola, señorita. Oui, bien sûr. Ce n'est rien. Il faut appuyer sur les touches rapidement. Oula. Fou, j'ai eu chaud. Félicitations, tu as réussi. Accepte ces castagnettes et ces chapeaux en récompense. Avec ces accessoires, tu peux fonder ta troupe. Bah, merci beaucoup. Avec ça, on peut entrer dans le château qui se trouve là-haut. Désolé, seigneur, il n'y a que... Ah, des castagnettes, c'est des danseurs comiques. Oui, nous sommes les théières dansantes. Jamais entendu parler, mais vous avez l'air sincère. Vous pouvez passer. Il a joué comme sarcastique devant les gardes, mais bon. On avance. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe d'hommes a forcé le passage. Ils sont rentrés dans le château. Ils ressemblaient à quoi? Il y en avait un très élégant, avec un beau costume. Un autre, avec les cheveux dressés. Trois types. Pardon, j'ai été trop vite. Ces personnes croient qu'ils ont croisé un homme à beau costume et un homme assez énorme. Entrons dans le château. Le château en Espagne. Bon, nous voici à l'intérieur. Il y a des vases ici, je vais les casser pour récupérer davantage des éclats de santé et aussi de jauge de magie. Décidément, ce n'est que de la santé, hein. Ah ben non. Jade, attends-nous. Voyons autour. T'as pas chaud? D'un côté, ceux qui ont un bouclier jaune, et l'autre côté, avec un bouclier rouge. Je pense que les deux statues ici, l'un a une plateforme rouge et un plateforme jaune. Il faut les mettre dans l'autre sens. Voilà.
Voilà, celui du plateforme rouge, c'est fait. Jaune, pardon, qu'est-ce que je suis bête. Là maintenant, c'est le rouge. C'est bon. Je vais commencer par le jaune. Voilà le symbole du dragon. Le talisman du dragon se trouve à l'intérieur. Pour le moment, tout va bien. Un autre talisman du dragon. Un autre talisman, c'est le rat. Voilà le talisman du le symbole du singe. On va utiliser le talisman du singe pour pouvoir passer. Une autre carte, celui de Jackie. Voilà que c'est bon. J'évite de me faire avoir. Voilà, c'est bon. Les parois, ces surfaces-là sont utiles pour les singes uniquement. Je l'ai déjà montré dans l'île de l'Alcatraz. Ici, il faudra que je sois bien précis pour sauter. Il s'est rebondi tout seul. Hop là. Et hop. Et hop. Ah ben quand même, j'ai réussi à passer même sans la barre. Mais bon. Voilà, c'est bon. Et hop. Une autre carte. Celui du chien. C'est parfait. Une autre carte. Celui du tigre que j'ai déjà. Voilà l'engrenage pour la porte. On le prend. Je vais mettre celui de la droite, la gauche pardon. Maintenant que c'est fait, la porte du bouclier jaune est fermée. On passe au bouclier rouge. Je suis qu'à 24 minutes, j'aurai peut-être le temps de faire entièrement la partie. J'évite de tomber, mais bon. Attention de ne pas tomber. Ok. Voilà. Allez, allez, allez. Non, je suis tombé. Passe, 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 passe. Ok. C'est bon. Encore une autre coffre. Le talisman du dragon, je l'ai déjà.
Déjà, j'ai combien de cartes du talisman du dragon? Ah non, 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 ce n'est qu'une première. Je pensais que j'avais plusieurs dans les vidéos précédentes, mais non. Bon. On va essayer de passer. C'est bon. Allez! C'est trop simple. Celle-là, c'est quoi? Le démon de la terre. Ok. Ok. On ouvre direct la porte maintenant. Ouvrons. Qu'est-ce que... Il y a quelqu'un à l'intérieur. De même. La main noire. Et le talisman du dragon. Trop tard encore une fois, Shan. Mon nouvel homme de main va s'occuper de toi. Amuse-toi, Toru. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Toru. On va devoir le combattre. Oh là 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 là! Je n'ai pas été attentif. Je te tiens! Ouf! Il faut le battre 3 fois, comme le catcheur au Mexique. Et hop! Je tiens! Hop! J'ai. Toru éliminé. Il abandonne en même temps le talisman du dragon. Et pardon si j'ai coupé le micro parce que j'ai éternué en même temps. Bien joué, Jackie! C'est pas du tout ce qu'on m'avait promis. Hein? Valmont me traite comme un esclave. Il fait toujours en sorte que je me batte à sa place. Si c'est ce que tu penses, pourquoi ne pas le quitter? Je n'ai rien d'autre. Tu pourrais te joindre à nous pour combattre Valmont et la main noire? Vous m'accepteriez? Alors que je vous ai attaqué? Évidemment, sans rancune, on aurait bien besoin d'aide. Alors j'accepte. Alors c'est réglé. Jade, tu restes là pour faire connaissance avec notre nouvel ami. Moi, je vais explorer le château. Ok, Jackie, sans problème. Votre nièce est en sécurité avec moi. Ok, mais soyez prudent, Valmont n'est pas loin. Parfait. Maintenant que nous avons le talisman du dragon, il s'agit de combustion. Une fois le talisman du dragon activé, le joueur est entouré d'un feu magique. En majorité, il ne sera pas utile pour... pour pouvoir jouer archi-foi. Simplement s'il y a trop d'ennemis autour. J'ai détruit ça pour que je puisse renforcer. Voilà. Valmont est en train de sortir. Il y a Akfu dehors. C'est
qui le prochain démon? Le démon de la terre! Daiki, tu es libre. Daiki. Oui, je suis totalement libre, Shendu. Libre de faire tout ce que je veux. N'oublie pas, Daiki. Je t'ai amené ici et je peux aussi te renvoyer d'où tu viens. Shendu, votre frère vous parle. Shendu! J'ai toujours su que c'était un poltron. J'ignore ce que Shendu t'a dit, mais il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? On a un petit problème gênant qu'il faudrait exterminer. Un petit problème? Ne me dis pas que vous m'avez ramené des enfers. Moi, le démon de la terre, juste pour régler un petit problème. Disons, pas seulement pour ça, mais c'est une des raisons. Je commence vraiment à m'impatienter. Dis-moi maintenant où est le problème. Eh bien, il est juste là. Prépare-toi à mourir. Ah, cette fois c'est la bonne. Ok, Daiki, démon de la terre, c'est parti! Ouch! La seule chose de... pour attirer le démon de la terre, il faut essayer de le faire rentrer sous terre. Ouch. Le voilà, il arrive. Il faut l'attirer vers... Ah ben non, il est ici. Il faut l'attirer sur les piliers de fleurs qui sont ici. Il ne faut pas monter sur les bords. Voilà, c'est bon. Boum! Et de 1, plus que de 2. Aïe! C'est bon. Ouch! Il arrive. De 2, plus qu'un. Aouh! Bon sang! Ouch! Non, il aurait dû pas sortir de terre, mais bon. C'est bon. Aouh! Allez, viens, démon, viens! Il faut que je reste assez éloigné de lui.
de 3. Daiki, démon de la terre, vaincu. Maintenant, Toru. Toujours le même fleur. Utilisé aussi pour le démon de la lune. Merci Toru, j'étais pas du tout sûr de gagner cette fois. Heureux de t'avoir aidé. Très impressionnant, toi bon apprenti. Viens avec nous à San Francisco et oncle t'enseignera d'autres choses. J'aurais beaucoup aimé, je vous remercie. Vous avez tous été vraiment très gentils avec moi. Alors c'est décidé, on va peut-être devoir élargir les portes de la boutique, mais tu feras un bon disciple. Génial! Maintenant que c'est fait, on passe... Ah non, c'était l'épisode 4, qu'est-ce que je suis bête. On passe maintenant à l'épisode 5, Opération Serpent, mais on va devoir arrêter. Qui, oncle, a appris où se trouve un des talismans manquants? Oh, où est-ce que je vais devoir aller? S'il vous plaît, ne me dites pas que c'est encore dans l'espace. En fait, le talisman est exposé à l'Académie des sciences dans le parc du Golden Gate. Le capitaine Black a appris que quelqu'un va tenter de le voler. Il voudrait que tu le récupères avant que ce plan soit mené à bien. Quelqu'un? Pourquoi vous ne dites pas la main noire? C'est toujours la main noire. Ah! Oncle te prie de changer de ton. Respecte tes aînés. Désolé, mon oncle. Attends, je n'ai pas fini. Essaye de récupérer une flûte pendant que tu es là-bas. Oncle pense que ça pourrait s'avérer très important. Bien, mon oncle, c'est noté. Attends, je n'ai pas fini. Oui, mon oncle. Va à la salle des ventes de North Beach et achète un bracelet en or pour moi. Voilà un peu d'argent, mais ne le gaspille pas. C'est ici que je vais arrêter le jeu parce qu'en fait, ou plutôt la vidéo, car j'ai fait complètement l'épisode 4, la marque du dragon. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager à ceux qui sont fans du rétro gaming. Et surtout n'oubliez pas que la passion jeux vidéo et rétro gaming continue. À suivre dans la prochaine partie.